Alors, Gold of Bengal, c'est une association qui porte des expéditions au service d'innovations utiles et durables. Donc, par utile et durable, qu'est-ce qu'on entend ? C'est, par exemple, au départ de l'association, des bateaux réalisés en fibre naturelle de jute plutôt qu'en composite fibre de verre et qui ont été mis à l'épreuve et, disons, éprouvés sur le terrain et au travers de navigations, d'expéditions à la voile à bord de ces bateaux. Aujourd'hui, Gold of Bengal porte une nouvelle expédition, enfin une expédition qui s'appelle Nomade des Mers, pardon, et qui ne travaille plus sur la fibre de jute, sur les matériaux à base de fibre de jute, mais sur d'autres innovations utiles et durables qu'on appelle les low technology, par opposition aux high technology. Typiquement, c'est des petits systèmes simples qu'on peut fabriquer tout seul, qu'on peut réparer à partir de matériaux de récup, etc., qui servent à répondre aux besoins de base et qui permettent aux populations d'être plus autonomes. Donc par exemple, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à l'alimentation. Et au cours de cette expédition Nomade des Mers, Corentin de Châtelperron, donc le fondateur de l'association et aujourd'hui le chef d'expé, fait le tour du monde à la recherche d'inventions, de low-tech, pour les documenter, les diffuser, les mettre en ligne en open source. Aujourd'hui, il est sur une plateforme en Thaïlande à tester un kit de 30 low-tech qu'il a réuni et qu'il a sourcé partout dans le monde pour tester en réel l'autonomie pendant 4 mois en autarcie complète sur cette plateforme.